Cher Alain Sandras, avant de nous parler de ce superbe poisson qui nous regarde d'un œil complaisant, là, je voudrais d'abord que vous nous disiez quelle place il occupera dans le menu que vous avez conçu pour nous. Eh bien, il occupera la deuxième place, le plat Alors, principal. Alors, commençons par la première. Le premier plat, aujourd'hui, je vous propose une salade de foie de veau. On va en reparler. Ensuite, ce var poché au beurre blanc. Et alors, pour le fromage, il y a trois solutions qui me paraissent intéressantes, puisqu'on a un poisson et donc le vin blanc va bien là-dessus. On peut prendre soit un reblochon avec un vin blanc de Savoie, oui. Ou un bourgogne blanc. Un crépi ou une roussette. Voilà. Oui. Ou un bourgogne blanc. Oui. Ou bien, alors, si on prend un crottin, on peut mettre du Sancerre. Ah bah oui, bien sûr. Et aussi, le chabichou, il paraît que le champagne va très bien dessus. M'a-t-on dit. On essaiera. Moi, je suis moins précis que vous là-dessus. Bon, et comme dessert? Et comme dessert, une poire savoyarde. Maintenant, parlons un peu du brochet au beurre blanc. Présentez-nous, voulez-vous, les ingrédients? Le bar au beurre blanc. Ah, le bar. Alors, la première des choses, c'est pour le courbouillon. On va le pocher. Le bar, on va le dresser sur une julienne d'épinards étuvée au beurre. Les échalotes, ici, nous serviront pour le beurre blanc. Et pour faire une petite fantaisie, j'ai pensé de mettre une julienne de carottes dans le beurre blanc. Ça se marie bien avec l'épinard, puis ça fait joli. Et si c'est pour l'œil? Non, mais c'est pour le goût. Ça. Ah, très bien. Pour le courbouillon, il faut du fenouil, céleri branche, poireaux, carottes, oignons, échalotes. Le beurre pour le beurre blanc, bien entendu. Très, très frais, je suppose. Hein. Oui. Et puis, alors, voilà le bouquet garni qu'on met aussi avec de l'ail que l'on mettra dans le courbouillon et le citron. Et ceci, c'est la composition du bouquet garni, du gros sel et du poivre. Le vinaigre, poivre en grain, alors. En grain, toujours dans un courbouillon. Le vinaigre pour le beurre blanc avec du vin blanc. Et bien entendu, un bar. Alors, ceci, c'est un bar de ligne. C'est-à-dire, c'est des bateaux qui partent le matin et qui rentrent le soir. Et on a ça le lendemain à Paris. Si c'est des barres de chalut, ils partent 3 jours. Alors, si c'est un poisson qui a été pêché le premier jour, quand il arrive à Paris, il a 4 jours. Oui, je comprends. Comment reconnaître un bar de ligne d'un bar de chalut? Oh, déjà, la... S'il y a la trace de l'hameçon ou quoi? Non, mais déjà, la consistance. Plus il est ferme, moins il a traîné. Bien sûr, il y a la brillance des écailles, il y a l'ouïe. Montrez un peu cette ouïe. Bien rouge, il y a l'œil, tout ça. Bon. Eh bien, nous allons l'avoir nous aussi à l'œil. Alors, la première des choses, nous allons faire le courbouillon. Vous voyez, je mets un petit peu de beurre là. Dans cette sauteuse, je vais la chauffer. Une cuillerée, pour combien de personnes ce bar? Ce bar est pour 2 personnes, 3 personnes maximum. Parfait. Voilà. C'est haché gros tout ça. Hein. C'est pas haché, c'est mincé grosso modo, vous voyez, c'est pour. Voilà. Alors j'ai mis une oignon, une carotte, je mets une branche de fenouil. Dans le courbouillon, je trouve le fenouil délicieux. Vous voyez? Voilà. Une branche de céleri. Alors souvent, les courbouillons sont plongés directement dans le liquide, les légumes. Moi, je préfère les suivre un peu au beurre. Ça donne un meilleur goût. Donc, vous faites revenir... Revenu les légumes. Les légumes au beurre. Pas d'huile. Pas d'huile. On peut le faire à l'huile d'olive aussi. Mais... Voilà. Voilà. Alors, ceci, on l'étuve 10 minutes au beurre. Oui. Le principe du beurre blanc, oui. C'est quoi? Oh ben c'est une émulsion, c'est tout. Une émulsion. On monte le beurre au coin du fourneau. Il ne faut pas que ça dépasse, je ne sais pas moi, 45, 50 degrés, 60 degrés, disons.
Oui. Bien. Voilà, il y a des minutes que les 10 minutes sont passées, sont passées. Oui. Alors, je mets, voyez, 5 décilitres de vinaigre. Une demi-bouteille de Sancerre. Et alors, à ce moment-là seulement, je mets mon bouquet garni, une demi-tête d'ail. Ça sera suffisant. Comme ça, sans les peler. Oh, surtout pas. Et vous avez remarqué, j'ai mis peu de vinaigre moi dans le courbouillon, parce que j'aime bien mettre du citron. Voilà. Tout ça, c'est personnel, c'est un peu. C'est votre recette, mon cher. Et chacun peut y apporter des modifications bien suivant son goût. Et voilà. Alors, donc, ce courbouillon a déjà cuit 10 minutes, n'est-ce pas? Oui, et maintenant, il va cuire encore. Combien? Il va cuire encore un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Dans la saumonnière, parce que ceci est trop petit, et je vais rajouter de l'eau. Hein, je vais rajouter 2 litres d'eau. Voilà. Alors, je vais mettre la valeur de 2 litres d'eau. Voilà. Il faut quand même laisser la place pour le bar. Pour le poisson, oui. Et je mets 20... C'est seulement maintenant que vous ajoutez, alors? Oui, je mets une vingtaine de... De grains de poivre. De grains de poivre. Blanc ou noir, peu importe. Peu importe. Et 2 clous de girofle. Et je mets, voyez, une petite poignée, 2 petites poignées de gros sel. Alors, je couvre. Et je laisse cuire... 20 minutes. Combien? 20 minutes. Mais par exemple, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, nous avons un poisson plutôt de petite taille. Oui. Vous le mettrez à froid. Je le mettrai à froid. Je le ferai bouillir et quand ça bouge, j'arrête. Et je n'en occupe plus, je laisse 5-10 minutes. Est-ce que vous pouvez préparer votre courbouillon la veille? Absolument. Et ces échalotes sont destinées à quoi, là? Pour le beurre blanc, on va les faire suer au beurre. Je vais les déglacer vinaigre et vin blanc. Je vais faire réduire ça à glace. Je rajouterai un peu d'eau et je monterai avec le beurre. Et vous ne laisserez pas vos échalotes dans le beurre blanc? Moi, je les laisse. Il y en a qui les passent. On dit que le vrai beurre blanc à Nantes est fait sans qu'on laisse les échalotes dedans. Alors moi, j'en doute. Ah. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était une recette ménagère, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait, oui. Alors, je ne vois pas une ménagère s'amuser à passer une sauce. Pour étuver les... Je mets une demi-cuillère à café de beurre. Ah, c'est tout. C'est tout. Alors, à feu doux. Et on sale toujours et on poivre toujours au départ. Si, mais là, parce que là, écoutez, ça va étuver tout doucement. Il faut très doux. Parce que si, je pense que pour moi, c'est une erreur de faire partir les échalotes au vinaigre et au vin blanc directement. L'acidité du vinaigre, l'acidité du vin empêche la cuisson, comme l'acidité de la tomate empêche la cuisson. Quand on met quelque chose avec ça, il faut le pré-cuire. Hein. Voilà, alors maintenant, on met... Je mets la valeur de 2 cuillères à soupe, même pas, 1,5 de vinaigre. Après 10 minutes, hein? Oui, après 10 minutes, doucement. Et voilà. Vous avez après les 2/3 de la bouteille qui est passée en tout. Oui, non, oui, à peu près, c'est ça. Et là, je mets un bon verre de vin blanc. Et alors là, je peux augmenter le feu. Vous le mettez très, très, très fort, très vif. Un peu plus. Oui. Voilà. Et vous le laissez alors là réduire. Réduire. Bien. On va s'occuper des épinards. Il y a 100 g d'épinards qui sont lavés, équeutés. Je vais en faire une julienne et je vais les étuver au beurre, à cru, sans les blanchir. Quelles sont les qualités des épinards? Ça a du fer. Oui, du fer. Et pour 100 g, il y en a 50 mg. Il y a 50 mg de calcium. Il y a 510 mg de sodium dans 100 g d'épinards. Qu'est-ce qui reste?
Bien, l'épinard est une chose assez fantastique. Par contre, il a des contre-indications pour les gens qui ont des rhumatismes. Ah oui. Des gens qui ont de l'arthrisme, des choses comme ça, c'est pas recommandé. L'acide urique, peut-être, non? Voilà. Oui. Je mets un petit peu de beurre et je vais faire revenir ces épinards. Alors, rappelons les temps, si vous voulez bien, maintenant. Hein. Faisons un petit bilan. Ça, le courbouillon, d'abord. On étuve les légumes au beurre 10 minutes. Très bien. On met le vinaigre, le vin blanc, l'eau. On fait cuire 20 minutes. On étuve 5, à peu près 5 minutes les étuves. Les échalotes. Les échalotes au beurre, on les fait tomber au beurre. On mouille vinaigre et vin blanc et on fait réduire. Quand ça sera réduit, on fera le beurre blanc. Ah, il reste, oui, comme ça, très, très vert. Voilà. Alors, si on peut, on met que le rouge des carottes, n'est-ce pas? Quel luxe! Ça aussi, c'est pour l'œil. Hein. C'est bon, les carottes avec les épinards? Les cru-cru? Cru-cru-cru. On va aller. Je mets. Ah, vous avez quand même les secoué un peu dans la poêle. Mmh. Et avec un peu d'eau et de beurre. Je mets une pincée de sucre. Du sucre. Voilà. Ça, on appelle ça glacer les carottes. Et combien de temps? 5 minutes à peu près. Bien, ben, le courbouillon est cuit. On va le laisser refroidir. Oui. Avant de mettre le poisson. Alors, refroidir, ça veut dire on peut se contenter de l'avoir tiède ou vraiment froid? Le mieux serait de l'avoir vraiment froid. Vraiment froid. Bien, le courbouillon est... Et froid maintenant froid. On va cuire le bar. On va le bar dans le courbouillon froid. Et on va faire... Alors, dès que ça boue... Dès que ça boue, il est cuit. On le laisse 5 minutes dedans et il sort. Je mets les épinards sur les carottes. Uniquement pour les réchauffer. Voilà, pour finir de cuire tout ça, ensemble. Et là, vous les laissez combien? 2 minutes, 3 minutes? 2-3 minutes. Oui. Alors maintenant, nous allons procéder à l'opération centrale, si j'ai bien compris. Voilà, le beurre. Il faut que votre réduction soit froide. Oui, pas froide, tiède. Est-ce que c'est le cas de toutes les sauces, lorsqu'elles elles partent de réduction de ce genre? Non, toujours refroidir la réduction? C'est le cas seulement du beurre blanc. Du beurre blanc. Intéressant de savoir ça. Alors, je prends... Il y allait carrément. Hein. Vous voyez qu'il n'est pas trop dur. Il faut que le beurre soit un peu amolli. Hein. Voilà. C'est comme c'est assez chaud. Je vais démarrer là-dessus. Vous voyez? Alors vous le malaxez un peu de la main en le mettant. Oui. Il n'y a pas de doute, hein, la cuisine se fait vraiment à la main. Ah oui, moi je sais. Et directement sur le feu réduit à 2, c'est ça? Voilà. Oups. Et c'est un plat de ménage à l'origine. C'est un plat de ménagère, oui. Alors le beurre, il faut bien le remuer, il doit être mousseux. Mais oui. Le fouet vaut infiniment mieux que la cuillère, je suppose. En cuisine, on a l'habitude de travailler au fouet. Ça doit être beaucoup plus facile qu'à la cuillère. Ça doit être assez difficile à la cuillère.
quelle quantité de beurre mettez-vous? Une demi-livre? Non, 250 grammes, là. Bah, c'est bien ça, oui. Bon, pour deux à trois personnes. Oui. C'est pas un plat archi-économique, mais enfin, une fois de temps en temps, c'est bon. Oui. Avec un brochet, ça sera moins cher. On trouve du brochet? Bien sûr. Ouais, il y en a de temps en temps. Ouais. C'est rare, hein, tout de même. Le bar est un poisson cher aussi. Plus cher que le brochet, c'est sûr. Oui, enfin... on le trouve plus facilement. Eh oui. Eh bien, voilà, le beurre blanc est terminé, cher monsieur. Eh bien, mon cher maître, je trouve qu'il n'a pas une vilaine physionomie. Nous allons, quand vous aurez fini de le tourner, le montrer à l'œil de la caméra. Oui. Pour que tout le monde puisse apprécier vos qualités de saucier. Oui, bien sûr. Il faut un petit peu de sel et un petit peu de... un dernier coup de fouet et montrer ça à nos... Voilà le beurre blanc terminé. Voulez-vous le goûter? Ah oui. Oui. Et regardez la consistance. Ah oui, il est très, très mousseux. Superbe. Je peux? Bien sûr. Fameux. J'en vis ce bar. Alors, voulez-vous qu'on le vire? Non. Ah, vous le virez, oui. Pour le faire remonter ensuite. Vous prenez un risque. Allez, on s'amuse. Crac. C'est celui-là. Il va tomber en liquéfaction. Oui. Et alors, pour le remonter, comme il est trop chaud, je vais mettre un peu d'eau froide dans une sauteuse froide et je vais remonter tout ça. C'est très... Je voudrais faire tomber la légende du beurre blanc difficile. Écoutez, jusqu'à présent, ça paraît facile, mais encore faut-il la main. Alors, vous mettez un peu d'eau dans une... un peu d'eau froide dans une sauteuse. Dans une sauteuse. Il ne veut pas virer. Bon, écoutez, il suffit que vous donniez à nos téléspectateurs et téléspectatrices la recette, ça y est? Non, même pas. Alors, dites-leur simplement ce qu'il faut faire, hein, pour le faire reprendre. Eh bien, il suffit, s'il tourne, d'avoir une autre casserole froide avec un peu d'eau froide et vous versez goutte à goutte, vous remuez, ça repart. Et sur le feu? Non, hors du feu, parce que hors ça, du feu. Souvent, quand le beurre tourne, c'est qu'il est trop chaud. Par conséquent, hors du feu, comme cela, vous versez lentement et vous tournez. Écoutez, il ne vire même pas. On n'est plus aidé. Bien, alors vous allez dresser votre... Alors là, vous allez disposer le lit. Voilà. D'épinards et carottes. Je ne vais pas le mettre tout le long du plat, je le mets seulement ici. Ça sera la garniture parce qu'on va, si je le mets là, comme on va défaire le poisson. C'est pour qu'il repose tendrement sa tête. Oh, que vous êtes poétique aujourd'hui. Écoutez, la cuisine est une poésie. Je m'écarte, hein. Oui, je voudrais pas vous tâcher. Je n'ai aucune crainte. Ah, le voilà. On va peut-être faire tomber ça. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Ah oui. Quel parfum. Tout va bien? Tout va bien. Oh, ça n'est jamais que la mâchoire. Voilà. Il serait bien si j'avais de même une saucière.
Oh, j'ai oublié de vous passer votre beurre. Vous voyez, comme je n'ai pas l'habitude, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Hein. Vous avez oublié quoi? De passer votre beurre. Ce n'est pas la mauvaise volonté. Non, 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 mais c'est très bien comme voilà. Ça. C'est votre habitude et il faut la conserver. Peut-être écarter un peu tout cela pour permettre à la caméra de saisir dans toute sa beauté votre chef-d'œuvre. Voulez-vous que je le défasse? Écoutez, je veux bien, mais je ne suis... Croyez que du point de vue esthétique, il ne faudrait pas laisser encore quelque temps sous le regard de nos spectateurs. Puis ensuite, bien ma foi... Ça ne serait pas inutile de nous apprendre un peu à tous à ôter, à peler et à lever les filets d'un poisson. Vous avez besoin de cuillère et fourchette, non? Non, non, ça va aller. Quels sont les poissons qu'on sert avec la peau? Les poissons grillés, je pense. Les poissons grillés, la peau, même les poissons pochés, on peut laisser la peau. Mais, c'est un peu gluant tout de même, non? C'est pas la peau qui me gêne, c'est ceci. Ceci n'est pas bon, c'est de la graisse de poisson qui est très bonne, qui nourrit le poisson lorsqu'on le cuit, donc qui est nécessaire. Mais une fois que c'est cuit, manger ça, c'est assez déplaisant. Ah, c'est cette chose marron, là? Oui. Ah, j'ignorais tout à fait, voyez. Ah, vous ne laissez que la chair blanche. Oui. Ah. Il est moins gras de ce côté, dirait-on. Ah non, pas assez étonnant. C'est peut-être un gaucher. Vous avez, j'ai remarqué, enlevé les arêtes dorsales et les arêtes du ventre avant la cuisson. Oui, parce que pour deux raisons. La cuisson s'opère plus vite. Et vous faites entrer plus d'eau. Mais pour le défaire aussi, c'est plus facile. Donc si c'est plus vite, il refroidit moins pour le dresser. Charmant. N'est-ce pas? Alors maintenant, on va le dresser. Faites-nous la parade. Voilà.